Alors, on est ici à Ostrava, en République tchèque, pour les 10e championnats du monde de hockey sur luge. On a nos deux Québécois, les deux francophones de l'équipe canadienne sont avec nous. Dominique Larocque, gardien de but, deux fois paralympien. Antoine Nehou à ses premiers championnats du monde ici à Ostrava. Les boys, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très, très bien, toi, Antoine? Super aussi. Good. Alors, j'avais envie de faire un topo un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Bon, on parle d'hockey, mais j'avais envie de parler un peu plus du côté militaire. Vous êtes deux vétérans de des Forces armées canadiennes. Ma question, c'est, je présume que c'est important pour vous de servir votre pays et de vous engager dans l'armée il y a plusieurs années? C'est sûr qu'à la base, on fait pour nous. De représenter le Canada, je l'ai découvert au fil des années quand on voyage à travers le monde, soit avec le sport, quand on arrive dans une nouvelle communauté, le Canada, quand ils voient le drapeau du Canada, c'est une fierté, autant pour eux que pour nous, de nous accueillir. On est super bien représentés à chaque fois qu'on arrive dans un pays. On est super bien accueillis parce qu'on est Canadien. Puis ça, c'est quelque chose que j'en suis très fier. De pouvoir encore une fois là, continuer à représenter mon pays malgré que je ne suis plus dans les Forces armées canadiennes aujourd'hui, mais de continuer à le faire dans le sport, c'est une fierté. Et toi, Antoine, comme Dom l'a dit bien, tu t'es engagé, tu représentais ton pays. Maintenant, bon, tu as la chance de le faire à un autre niveau dans le sport, mais c'était quoi au départ ton envie de t'engager dans l'armée? J'ai toujours eu envie d'être dans l'armée, en fait. Je suis rentré dans les Forces canadiennes, j'avais 16 ans. C'était vraiment le défi qui m'attirait vers l'armée, surtout l'infanterie. Finalement, j'ai eu mon accident, puis j'ai un peu suivi les traces de Dominique, puis j'ai voulu représenter encore une fois mon pays au hockey. Et toi, Antoine, c'est où tu as appris? Est-ce que Dom t'a inspiré ou est un mentor un peu? Bien, c'est sûr que Dom, c'est lui qui m'a un peu donné la piqûre. J'ai connu l'hockey luge, en fait, quand un collègue est venu me voir au centre de réadaptation. Il m'a parlé de ça, il m'a parlé de Dominique. T'appelles-tu Gaétan Boucher? Gaétan Bouchard. Je pensais que c'était Gaétan Boucher, le patineur, mais non, c'est Gaétan Bouchard. Ouais, exactement. C'était un gars de Valcartier aussi. Donc, il m'a parlé du sport, il m'a parlé de Dominique. J'étais allé une première fois, j'ai trouvé ça... horrible. C'était difficile? Ouais, c'était extrêmement difficile. Puis là, je voyais Dominique voler sa patinoire. Fait que non, ça m'a motivé, ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Je l'ai regardé à ce moment-là. Je pense qu'il partait, en fait, oui, il partait à Sochi. Fait que c'est sûr que ça m'a donné vraiment l'envie de pousser la machine un peu plus loin. Puis, on se ressemble un petit peu dans notre façon d'être. Fait que c'est vraiment... Ça a comme été un déclic, en fait. Là. Pensez-vous que ça serait important, puis peut-être que ce l'est le cas, mais à l'intérieur des forces, est-ce qu'il y a un programme qui encourage les vétérans qui ont été blessés à la guerre ou simplement durant leur engagement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour encourager et solliciter depuis que toi, tu es en place dans le sport? Oui. En fait, il y a plusieurs programmes. L'armée, depuis plusieurs années, s'implique beaucoup là, dans différents sports pour aider les personnes qui ont été blessées physiquement et mentalement. Puis il y a le programme Soldier On, qui à la base est un programme à l'extérieur de l'armée, mais qui a été intégré à l'armée depuis plusieurs années maintenant, qui permet aux militaires, encore une fois, blessés physiquement et mentalement, de faire pas nécessairement juste du sport, mais des activités là, autant culturelles que sociales à travers le monde. Ils vont un peu partout dans le monde, ils ont la chance d'aller échanger avec d'autres armées dans le monde, de faire des activités, d'essayer des sports. Comme moi, j'ai eu la chance d'essayer avec le programme Sans Limite, Soldier On en anglais, en 2010 à Vancouver, où il y avait des soldats britanniques, il y avait des soldats américains qui étaient là, on s'était tous rassemblés, puis on a eu la chance d'essayer justement le hockey luge sur la patinoire des Canucks de Vancouver. On a eu la chance d'essayer de voir autres sports divers, puis c'est à partir de là que certains athlètes se sont développés, dont moi qui ai eu la piqûre quand j'ai vu les premières games à Vancouver, Canada contre États-Unis. C'était fou, hein? C'était incroyable l'ambiance, l'atmosphère surtout là, qui était dégagée de cet événement-là. Puis à partir de là, je me suis dit qu'un jour j'allais espérer pouvoir avoir la chance d'être sur la glace avec les gars qui étaient là à ce moment-là. Réalisez-vous que vous êtes une inspiration de dépassement? Mais est-ce que vous êtes conscient? Je pense que oui, on est peut-être conscient, mais en même temps... Je veux dire, on le fait un petit peu. T'sais, on n'a pas vraiment le choix. Nous autres, c'est ce qui nous fait triper, puis on le fait parce qu'on aime ça. Puis that's it, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Parlons un peu plus de hockey maintenant. Là. Bon, toi, tu as fait la transition. Aujourd'hui, tu es gardien. Pourquoi tu as choisi cette position-là? Tu te sentais plus à l'aise?
C'est une question que tout le monde me pose tout le temps. En fait, j'ai commencé comme attaquant. J'ai toujours, en fait, depuis que je suis tout petit, je joue au hockey, j'ai toujours été attaquant. Mais j'ai toujours voulu être goaler. Quand j'avais la chance, là, après l'équipe... Étais-tu un fan de Patrick Roy? J'ai oublié de dire oui. Ouais, même si t'étais un Nordique. Patrick Roy, Martin Brodeur, ça a été des idoles quand j'étais jeune, quand j'avais la chance d'aller après l'école avec mes chums, sa passion extérieure. J'essaie de m'habiller le plus souvent possible en gardien de but. Puis quand j'ai commencé le hockey, j'ai été initié comme attaquant. Ça a juste été comme ça. Puis après Sochi, après mes 4 années comme attaquant, il y a eu un gardien qui a pris sa retraite. J'ai vu une ouverture, j'ai dit j'essaie dessus, je continue dessus, qu'est-ce que les autres gars vont penser de ça, parce que j'étais quand même un bon joueur comme attaquant à Sochi. Puis j'ai pris la décision de m'acheter un équipement de gardien de but durant l'été. C'est une bonne. Puis en tout cas, on l'a réalisé en 2017 là, au championnat du monde en Corée du Sud. J'ai eu mon premier vrai comme départ de gardien numéro 1 au championnat du monde. Puis on a gagné la médaille d'or, que c'est à ce moment-là, je pense qu'on a réalisé que c'était une bonne décision. Absolument. Toi, Antoine, tu jouais au hockey avant ton accident, puis comment tu as dû t'ajuster à la luge? Écoute, ça n'a pas été facile, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique. C'est vraiment différent que le... c'est pareil, mais en même temps, c'est différent que le hockey debout, dans le sens qu'il faut que tu sois... Moi, j'étais droitier au hockey debout. Maintenant, il faut que tu sois ambidextre, tu lances de la gauche, tu fais des passes de la gauche, de la droite aussi. Donc, ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique. Puis plus que tu pratiques, tu fais de la répétition, plus que tu deviens bon. Et pour toi, Antoine, la famille? C'est un petit peu la même chose. C'est le fun de savoir qu'on est encouragé de un à faire ce qu'on fait. Puis de savoir que s'il arrive des petits pépins à la maison, ben notre famille va être là pour s'en occuper, puis qu'on n'ait pas à se préoccuper de ça pendant qu'on est ici, puis qu'on puisse penser à juste performer, en fait. Antoine, toi, première participation aux Jeux paralympiques en 2022, c'est l'objectif? Ben, c'est sûr, ayant manqué les Jeux l'année passée de peu, c'est sûr que c'est mon objectif qui a été rapporté de 4 ans quand même, mais c'est l'objectif final. Donc, bonne chance à vous deux. Continuez votre excellent travail, puis on va être là pour vous encourager. Bravo, boys. Merci.